Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une crème hydratante pour les mains et les pieds, mais surtout pour les pieds. C'est vraiment pour réparer les pieds abîmés, parce que comme les talons ou tout, après l'hiver, souvent on a tendance à avoir les talons secs et tout ça. Et quand arrivent les beaux jours, qu'on veut mettre des chaussures ouvertes, c'est mieux d'avoir des petits petons tout doux. Donc je vous propose de passer tout de suite à la recette. Alors pour commencer, j'ai dosé 12,5 grammes de beurre de karité, alors qu'il nourrit, il protège, il régénère, il hydrate et il apporte une protection. Il laisse un film protecteur après et donc c'est pour ça que c'est intéressant. Après, je vais mettre de l'olive douceur, qui est un émulsifiant qui apporte justement également un film protecteur. C'est surtout donc pour les pieds que je fais cette crème, mais pour les mains aussi, parce que j'ai les mains très sèches. Donc c'est plutôt pour en mettre le soir, je pense, sur les mains. Je ne sais pas trop la texture que ça va donner. C'est la première fois que j'essaie. Donc je l'ai coupé un petit parce que c'est un bloc. Donc j'ai coupé en petit pour que ça fonde plus vite. Et j'en ai mis 4 grammes. Alors j'ai fait un mix de plusieurs recettes de chez Aromazone. Et eux, ils mettaient donc de la cire. C'était de la cire de riz, je crois, un truc du genre. J'ai jamais testé, je connais pas, je l'ai pas. Donc voilà. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai mis de la candélilla. Mais comme apparemment elle est plus dure, disons. J'en ai mis un petit peu moins, donc là j'en ai mis 1 gramme. Voilà pour ma phase huileuse. Alors pour ma phase aqueuse, je vais pousser ça, ce sera plus clair. Il mettait de, je crois, un hydrolat, où il faisait moitié-moitié, je ne sais plus. Moi je mets que de l'eau là, parce qu'il y en a quand même une quantité assez importante. Donc j'ai mis 27,5 grammes. Donc je mets tout ça au bain-marie, le temps que ça fonde, et je reviens après. Voilà, alors ma phase aqueuse est bien fondue, bien homogène, donc je vais vider petit à petit mon eau dedans afin de former l'émulsion. Alors c'est vraiment extrêmement liquide, c'était chaud aussi. Hein. C'est vraiment comme de l'eau, ça a blanchi, ça a pris quoi, mais. Maintenant, pour voir si ça s'épaissit. Maintenant, je vais mettre dans un four d'eau froide et continuer à mélanger. Donc voilà ce que ça donne. Alors, c'est une belle crème. C'est vraiment, je la trouve super. Alors maintenant, je vais mettre la glycérine, donc qui est un agent hydratant, protecteur, qui adoucit. Donc c'est, comme je le dis à chaque fois que j'utilise. Il faut pas dépasser un certain pourcentage, donc c'est 8% pour les crèmes, etc. Et 10% pour tout ce qui est shampoing et autres. Tout simplement parce que si on dépasse la quantité, ces pourcentages-là, et bien tout simplement ça fait l'effet inverse, ça n'hydrate plus, au contraire ça assèche. Et là, c'est à hauteur de 3%. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs. J'ai mis 1,5 g. Donc j'ai mis 3%. Je trouve que ça suffit parce que. Tout simplement parce que je veux mettre l'actif cosmétique complexe hydratation intense. Donc c'est un hydratant forcément. J'en mets 20 gouttes. C'est pour ça que j'ai mis peu de glycérine, c'est vraiment manière d'en mettre un peu. Après ça, je vais mettre la fragrance. Donc j'ai pris le lilas blanc parce que c'est une odeur que j'adore. Je suis dingue de cette odeur. Donc j'en mets 38 gouttes. Après, je vais mettre les conservateurs. Alors je mets 10 gouttes de Kozga et 3 gouttes de vitamine E. Voilà ma crème. Alors c'est un petit peu éclairci avec évidemment. Tous les actifs et tout qui étaient liquides, mais là je la trouve vraiment bien, elle me plaît. Donc j'avais fait que 50 millilitres tout simplement parce que je veux tester et c'est le genre de produit où il en faut pas une tonne. Alors finalement j'ai changé de pot après parce que je me suis rappelé que j'avais ce tube exprès quoi pour ce type de crème et c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors pour le remplir, parce que c'est un peu
Là, je me suis servi d'une seringue. Donc j'ai enlevé le piston, j'ai mis la crème dans la seringue avec mes dents de la spatule, pardon. Et donc voilà. J'en ai pas 50 millilitres. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça, je crois que ça fait 50 millilitres, si je ne me trompe pas. Mais là, bon, j'en ai quand même perdu un peu. Voilà, en faisant comme j'ai fait, en changeant de flaconnage et tout ça, voilà, on en perd toujours un peu. Et surtout qu'avec une seringue, c'est pas franchement facile. Mais j'en ai, là, bon, je l'ai secoué, donc c'est pour ça. Mais il doit y en avoir à peu près ce de faire là. Il en manque quand même pas mal. Je sais pas trop pourquoi, décidément, c'est une habitude qui m'en manque à chaque fois. Mais voilà, avec ce flacon, c'est la première fois que je les utilise. J'ai pas l'impression que ça ferme ultra bien, par contre. Si, ça a l'air. Enfin, on verra. Et donc, on va voir. Hop. On va voir ce que ça donne. Bon, là, j'en ai mis pas mal. Donc, je vais bien. Donc, c'est assez épais. Ce sera assez long à faire pénétrer, je pense. Mais c'est vraiment, on sent vraiment le côté. En fait, j'ai un joli bleu sur la main, en plus des veines apparentes. On sent vraiment le côté, voilà, le film protecteur qui reste. Enfin, voilà, je conseillerais d'utiliser ce type de crème quand même le soir. Je pense que c'est mieux. Mais de toute façon, je vous en reparlerai le moment venu. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette recette. J'espère qu'elle vous a intéressé, que ça vous a plu et donné envie de la faire. Et si c'est le cas, eh bien likez, partagez. Si ce que je fais vous plaît, que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!